Bonjour, mon brave. Bien le bonjour à vous. John Blacksad, détective privé. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Allez-y donc, monseigneur. Étiez-vous ici dimanche après-midi? Tout à fait, mon doux prince. Je suis passé regarder la télé après avoir couru le marathon de New York. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Ah ben ça, oui! Poussez-vous donc, vous me bloquez la vue sur ce magnifique coucher de soleil! Écoutez voir un peu, prunelle de mes yeux. Faites-moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger. Ok. Je dois probablement être la dernière personne à ne pas avoir de télé. Bon, je m'en porte pas plus mal. Il l'a ouvert pendant la guerre. C'est curieux. Salut. M'avez apporté à bouffer, misérable esclave. Avez-vous envie de quelque chose en particulier? Non, tant que ça rentre dans ma bouche. Un truc avec du fromage. Plein de fromage. Thank you.
Le cerveau des racistes déborde tellement de haine qu'il ne reste plus assez de place pour des points de détail comme le bon sens ou l'orthographe. Nous voici cependant confrontés à un cas où l'auteur, apparemment plus cultivé que la moyenne, a cherché à corriger son erreur, avec un succès très relatif. Verrouillé. Mais un bon détective ne sort jamais de chez lui sans son... Oh. Ok. Parfois, il arrive même au plus professionnel des détectives de devoir rentrer chez lui pour prendre son rossignol. J'espérais que ce n'était pas un client, même s'il était plus probable qu'il s'agisse d'un faux numéro. Ou pire, du groupe de thérapie des vétérans de la guerre. Tiens, j'étais sûr d'avoir laissé mon rossignol sur la table. Que faire lorsque la seule chose qui vous pousse à continuer est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant? Il est trop tôt pour faire mes adieux. Elle ne pourrait pas les entendre de toute façon. Qu'as-tu donc bien pu faire pour mériter l'admiration d'une culture millénaire, cher cousin éloigné? Parfois, je m'en sers aussi pour taper des rapports que personne ne lit et des factures que personne ne paye. Un vrai détective ne carbure pas au thé. Cependant, cette bouteille n'est pas là pour ça. Cette tequila, je m'en sers pour nettoyer mon rossignol. En fait, je venais tout juste de finir de le nettoyer lorsque ce rhino s'est pointé. Il a peut-être valsé pendant la bagarre. Ce bon vieux Weekly a fait du bon boulot avec ses photos. Je devrais peut-être lui passer un coup de fil. Il sera ravi d'apprendre combien notre sujet a consenti à nous payer en échange de notre silence. Je me demande si ce rhino en serait vraiment arrivé à s'en servir. Salut Weekly, c'est... John, t'as reçu mes photos? Oui, et... Il en avait une grosse de corne, ce rhino, hein? Et la fille? Nom de Dieu! Hé, tu veux que je te trouve son nom? S'il te plaît, allez! Non, Weekly, écoute. Le rhino s'est pointé et il m'a proposé de l'argent pour que je la ferme. Waouh! Mais tu parles de clopinette ou d'un vrai pactole? Plutôt la deuxième option.
Ouais, bien joué, mon pote. La moitié de l'argent te revient. Wouhou ! Ok, changeons de sujet. Il paraît qu'il se serait passé un truc bizarre dans ce gymnase. Ah, c'était quoi le nom ? Dunn's Gym. T'avais pas un pote qui bossait là-bas ? Tu crois que je pourrais lui parler ? Il paraît que c'est une femme la patronne maintenant. Dans une salle de boxe. T'imagines ? Écoute, Weekly, te mêle pas de ça, tu m'entends ? Ouais, bon, on est potes et tout ça, mais franchement... Bon, bref, allez, à la prochaine. Salut Ray. Salut, c'est qui ? Devine, je t'ai déjà donné un indice. Je connais ton prénom, donc ? Donc, ça veut dire... je sais pas. Peut-être que je connais ton prénom parce que je suis de la famille. Sûrement pas. Mon père, il appelle jamais. Mon grand-père, il appelle jamais. Mon tonton, il appelle... des fois... Tonton ? C'est tonton John, j'ai deviné ! Tu m'as eu, Ray. Bien joué. Eh, j'ai gagné quoi ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je voudrais... un pistolet ! Bam, 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 bam ! Nous, les gentils, nous ne portons pas de pistolet, Ray. Parce que nous savons que les coups finissent toujours par partir. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont vachement classe. Oups, voilà maman, au revoir ! Ray, c'est comme ça que tu dis au revoir à ton oncle ? Bisous, tonton John ! Bon, allez, va mettre ta veste. On va être en retard. Bon. Quelle bonne surprise. Comment tu vas ? Salut, Donna. Bon. Tout va bien, t'en fais pas pour moi. Et je m'en fais toujours pour toi. En particulier quand tu me dis de pas m'en faire. Ouais, c'est pas faux. Bon, on est un peu pressé là. Ray a un rendez-vous chez le dentiste. Je te rappelle bientôt, ok ? Tu m'en veux pas ? T'inquiète. Juste un dernier truc. Ray, dépêche-toi, faut y aller là. T'as eu des nouvelles de papa dernièrement ? Pas depuis cette dernière lettre. La routine. Bon, là, il faut vraiment que j'y aille. Bye bye, John. Au revoir, tonton John. Ça sent bon. Mais ça sentait encore meilleur le jour où Smirnov l'a acheté, en échange d'un service. Un service pour lequel aucun flic ne devrait jamais être payé. Le commissaire Smirnov a fumé cette cigarette. À en juger par la manière dont il l'a écrasé, il devait être assez nerveux. Ouais, c'est là que j'ai laissé mon rossignol. La compta n'est pas mon point fort. Je suis doué dans la catégorie dépenses, mais côté revenus, ça coince. Il est trop tôt pour faire mes adieux. Un ami en visite m'a dit une fois qu'il trouvait que New York lui faisait penser à un immense feu de joie. Je crois que l'odeur a déteint sur moi.
Je ne comprendrai jamais pourquoi il a fallu que je naisse à New York. Mais le vrai problème, c'est pourquoi j'y suis encore. La plupart des détectives se sentent rassurés avec un flingue dans la poche. Moi, je préfère les rossignols. Au moins, je sais qu'ils ne risquent pas de se retourner contre moi. Où t'étais passé, John? Je croyais que tu bossais sur l'affaire. Hey, je fais mon boulot. Prochain arrêt, l'appart de Bobby Yale. Ok. Mais essaie d'être un peu plus communicatif. T'as fait très mauvaise impression. Sonia commence à regretter de t'avoir engagé. Avec le recul, je préférerais n'avoir jamais retrouvé mon rossignol. Cela m'aurait peut-être évité de retourner au gymnase. Ce qui m'attendait n'était rien moins qu'un véritable enfer. L'appartement de Bobby Yale était sur le chemin. J'ai donc décidé d'aller y faire un tour, rossignolant-moi. Le gymnase pouvait attendre. Sonia et Jack avaient déjà fouillé partout, sans succès. Mais un détective digne de ce nom allait forcément tomber sur quelque chose. Bien sûr, à première vue... Quand vous tombe dessus comme ça, vous pouvez en déduire que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Il est toujours bon de savoir se montrer reconnaissant. Tiens, tiens, tiens. Comme on se retrouve. Amusant, quand même. Mais tu m'as aidé, alors je vais t'aider à mon tour. Maintenant, pars, avant que mon partenaire... Foutu chat. Bien joué, Colbert. Alors... Voilà ce qu'on va faire. À chaque mauvaise réponse, je te colle un coup de matraque. Ça marche ? Mais... nous venons d'avoir la preuve que tu ne sais pas viser. Mauvaise réponse. Première question... non. Deuxième question. Qu'est-ce que tu fous là ? T'étais pas censé me frapper ? J'attends encore les coups. Heureux ?
Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu fous là ? Un trèfle ? Serait-il irlandais ? Ça va se mettre à enfler d'un instant à l'autre. Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu fous là ? Je suis heureux de pouvoir t'aider à te perfectionner avec une matraque. T'as clairement besoin d'entraînement. Ouais ! J'adore me perfectionner ! Allez, on recommence. Qu'est-ce que tu fous là ? T'as des origines irlandaises ? J'ai un patron irlandais, tout comme mon pote Colbert ici présent. Le nom d'O'Leary doit forcément te dire quelque chose, non ? Desmond O'Leary. Quelqu'un qui vit à New York a forcément entendu parler du plus riche bookmaker de toute la ville. J'avais enfin l'impression de progresser dans cette affaire. Mauvaise réponse. J'ai eu tort. Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu fous là ? Je suis un privé. Sonia Dunn m'a engagé pour retrouver Bobby Yale. Je peux pas piffer les détectives. Allez, on recommence. Qu'est-ce que tu fous là ? Je suis qu'un détective, je te le jure. Et moi, je te jure que je peux pas piffer les détectives. Où en étions-nous ? Qu'est-ce que tu fous là ? Mais bordel, je suis un détective ! Oh bordel, je peux pas piffer les détectives ! On remet ça. Qu'est-ce que tu fous là ? Je suis qu'un détective, je te le jure. Et moi, je te jure que je peux pas piffer les détectives. Allez, on recommence. Qu'est-ce que tu fous là ? Je connais ton pote Colbert. Et sa femme. Voilà qu'il cherche à t'insulter. Eh ben d'accord. Il est à toi. Très bien. À ton tour de jouer. J'appelle le boss. Gueule comme si j'étais en train de te coller une bonne rouste, ok ? Desmond, on a mis la main sur un détective privé qui était venu fouiner du côté de chez Bobby Yale. C'est ça, engagé par la fille de Dan. Tu le veux en un seul morceau ? Ouais. Compris. Colbert, arrête de le cogner, grosse brute ! Quel dommage. On commençait à peine à faire connaissance.